Bienvenue sur Web Girondins, où on vit les Girondins au quotidien, sur notre site et sur notre chaîne vidéo. Nous sommes dans le débrief à chaud de Bordeaux-Laval, en direct sur notre Web TV, et on est diffusé sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch. L'émission est accessible aussi sans délai en replay, et ça gratuitement, et c'est possible que grâce aux sociaux et aux abonnés qui nous soutiennent. Donc vous pouvez vous aussi rejoindre la communauté avec le premier mois à 1 euro pour découvrir ce qu'on vous propose, c'est sans engagement. Vous avez le lien dans la description et dans le chat. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Ça va, l'équipe ? Écoute, ça va. Très bien. Bonsoir, Samuel Vasselin. Salut, Nico. Salut, Maxime. Salut, Kevin. Salut à tous. Salut. Bonsoir, Maxime. Salut tout le monde. Salut à tous les trois. Salut les sociaux. Salut, Maxime. Salut à tous, c'est Maxime qui est depuis la Martinique. Et ce que je vous propose, c'est qu'on accueille tout de suite Laurent Crossis. Je ne sais pas s'il est prêt, je vois qu'il est connecté. Je vais le connecter et on va prendre le pouls tout de suite depuis le stade. Avec lui, je vais le mettre à l'antenne. Bordeaux, bien sûr, qui perd 1-0, hein, vous le savez toutes et tous. Et c'est parti, on accueille Laurent. Bonsoir, Laurent. Bonsoir à tous. Bienvenue. Hein. Un beau match. On s'est régalé. Hein. Ouais. Bon, ton avis à chaud, on t'écoute. Hein. Oh, bah, mon avis à chaud, j'ai vu passer pas mal de messages, dont Samuel. C'est une fois de plus une bouillie bordelaise. C'est une fois de plus une équipe sans construction, sans schéma. La fin du match, j'ai cru voir la période de Petkovic. On empilait, on sortait, on entrait des joueurs. On ne sait même plus quel était le schéma. Voilà, quoi, c'est les pires heures qu'on a connues quand l'équipe est descendue. Mais bon, là, je peux vous l'affirmer, hein. Le sort de Guillon est scellé et il était apparemment scellé avant le match. Voilà. Donc. Bien sûr, on l'avait dit, Laurent, on le savait, hein, parce qu'on sait comment ça fonctionne. Oui, mais là, dans les coursis. 4-0, il serait parti quand même. Hein. Oui, dans les coursis, je viens de discuter avec des gens qui m'ont confirmé qu'ils ne savaient même pas s'ils seraient là contre Angers, quoi. Voilà, quand vous quittez le stade et qu'une personne vous dit ça, on ne sait pas. Et que je dis, c'est aussi un échec, il me dit, c'est un échec global de tout. Voilà. Donc, maintenant, la période Guillon, pour moi, est terminée. Elle est mal terminée. On a assez souvent dit, notamment avec Samuel, ce qu'on en pensait, de son coaching, de ses compos, de ses adaptations, ou plutôt non-adaptations. Maintenant, il faut se tourner vers... il reste 28 journées. Il y a 14 points d'écart, si je ne me trompe pas, avec le leader. C'est ça. Et puis, si on doit revenir que sur le match, moi, je voudrais qu'on m'explique comment une équipe qui marque 60% de ses buts sur coup arrêté, en l'occurrence Laval, peut se permettre, sur deux corners, de nous mettre en difficulté et d'en mettre un. C'est une répétition générale à chaque fois. Donc, moi, j'ai posé une question... En sortant de tribune de presse, on m'a affirmé qu'ils avaient travaillé cette séquence et que ça avait été bien précisé aux joueurs. Voilà. Donc, il n'y a plus grand-chose à faire. Il faut tourner la page et se tourner vers l'avenir. Voilà. Mais on a perdu trop de temps, là. Les Girondins ont perdu beaucoup trop de temps. Ils auraient dû faire, je me rappelle du précédent débrief que j'ai fait. Contre Auxerre, après le match contre Auxerre. Beaucoup trop de temps perdu. Voilà, 14 points. Ce soir, les équipes vont s'envoler. Celles qui sont devant, à part Laval, qui est une grosse surprise, c'est celle attendue. Hein. Il y aura Saint-Té, il y aura Auxerre, il y a Caen qui n'est pas largué. Voilà. Tandis que les Girondins, va falloir repartir de zéro. Donc maintenant, moi, j'ai qu'un seul mot. Fermer le chapitre Guillon. Voilà. Et se tourner vers le futur. Bon, il y a quelques noms qui reviennent. Je ne sais pas si vous allez les évoquer plus tard. Bon, on peut les donner. Il y a Lamouchi qui revient depuis une semaine et demie. On le sait, on n'en l'évoquait pas. Voilà. Parce que c'est très difficile de confirmer l'information. C'est un nom qui revient énormément, Sabri Lamouchi, mais on ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas eu la confirmation. On sait qu'il y a eu des contacts. Alors, avec dans le la club. Tribune, en sortant du stade, j'ai demandé. Apparemment, la piste Sacramento est loin d'être abandonnée. D'accord. Voilà. Moi, je l'ai dit depuis le début. Hein, ça fait. Je vous l'ai dit, quand Petkovic qui quitte le club, c'est à Sacramento, on va finir avec eux. Et au moins comme ça, si on doit mourir, on va mourir avec toutes leurs idées. Il n'y aura pas de ces David Guillon, il n'y aura pas de ces Petkovic. On sera mort avec tout la tiraille.
tout le. Oui, oui. Alors peut-être que beaucoup d'auditeurs ou de téléspectateurs, pardon, savent pas qui est forcément Sacramento. Alors Sacramento, il a travaillé comme recruteur à Monaco. Il a été l'adjoint de Galtier à Lille et au PSG la saison dernière. Et il était l'adjoint de Mourinho à Tottenham et la Roma. Il n'a jamais pris une équipe en tant que numéro un. Et il est dans. C'est pour ça que Samuel parlait de mourir avec leurs idées. Il est dans la mouvance, Edmar Lopez, Campos, etc. Ah, c'est le fils de Campos et Edmar Lopez. Hein. S'il y avait une garde partagée, ce serait un coup l'un, un coup l'autre. Non, mais parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. On aura le temps d'en reparler. Laurent, j'aimerais que tu me dises, est-ce que les joueurs savaient avant le match que David Guillon c'était fini, d'après toi? Alors, je ne vais pas dire, mais un membre du staff m'a dit qu'il savait que c'était terminé pour Guillon avant le match. Donc, les joueurs aussi? Je ne sais pas si les joueurs, mais le staff le savait. Nico, si nous, on le sait. Si nous, on le sait. On le sait. On ne le sait pas forcément de manière aussi formelle. On l'a dit jeudi, bien sûr. Après, on n'a pas dit formellement parce qu'on est journaliste, qu'on est une déontologie, qu'on ne va pas affirmer une info qu'on n'a pas. Mais on a quand même bien fait comprendre que aujourd'hui, quand Gérard Lopez nous annonce avant Guingamp qu'il se met en phase de retrait pour 3 matchs, c'est qu'il nous explique qu'en gros, il laisse 3 matchs à Guillon pour prendre tout le feu, pour être tout seul en première ligne, pendant que lui manœuvre en coulisses pour voir quel coach va accepter de bosser avec lui. Moi, je vais vous dire, Guillon savait qu'il sautait avant le match de Grenoble. Et c'est pour ça que contre Grenoble, vous revoyez des phases de jeu qu'on n'avait pas vues depuis le pot. Les joueurs reprennent le pouvoir contre Grenoble. Et un peu en partie contre Caen. Et encore ce soir où il change tout, il n'y a pas de ligne directrice sur ces 3 matchs. C'est la preuve que David Guillon n'est pas aux commandes de Bordeaux depuis une semaine. Et la seule chose qu'il fait depuis une semaine, c'est devoir être en première ligne et se prendre les balles. Et ça, moi, on en reparlera lundi, notamment dans le talk. Et on en a déjà parlé jeudi. Je trouve que c'est dégueulasse. Mais par contre, pour le coup, ce soir, Guillon a encore montré qu'il n'était pas au niveau, il n'a pas les épaules pour les Girondins. C'est terminé. Laurent, avant de te laisser, une autre question. Est-ce que moi, j'ai titré sur Web Girondins en une, Bordeaux passe en mode maintien après la défaite contre Laval. Pourquoi? Parce que selon les résultats des autres équipes ce soir, on peut se retrouver très proche des relégables. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. Il y a 4 équipes qui descendent. 4 équipes qui descendent. Faut pas l'oublier. Hein. D'accord? C'est la réalité. Ensuite, pour établir un parallèle avec Lyon qui est la même situation, hein, catastrophique, encore pire en Ligue 1, je ne pense pas que cet effectif soit taillé pour jouer le maintien. Voilà, un effectif taillé pour jouer le maintien, ce n'est pas celui qui est actuellement au Haillan. Donc, oui, là, ça va être compliqué. Je ne parle même pas de monter, hein. Je parle de se sauver. Hein. Voilà. Là, on a dit adieu à la Ligue 1. On a dit adieu à la Ligue 1. Là. Non, il ne faut jamais dire ça, mais il va falloir. Tout est possible, mais en bossant bien. On l'a dit. Et c'est ce qui est inquiétant. C'est qu'on ne bosse pas bien. Ouais, moi, encore cet après-midi, j'ai eu des joueurs cramés au bout d'une demi-heure. Hein. Donc, moi, je me posais énormément de questions sur la préparation. Je l'ai déjà dit. Bon, les schémas, on les a déjà évoqués. L'effectif. OK, et moi, j'ai même lancé, en quittant la tribune de presse et posé la question, c'est un échec global, mais c'est aussi un échec du mercato. Hein. Là, on va peut-être falloir quand même le dire. Hein. Déjà, mettre Ellis en pointe qui n'était pas prévu et se passer de Vipotnik et Badji en tribune. Bon, ben voilà, tout est dit. Hein. Voilà. Okay. Et j'ai vu un tweet de Samuel passer durant le match. Les deux entrées des deux petits, hein, appelons-les les petits sans que ce soit péjoratif, de Lima et de Amorin, puisqu'il faut dire de Amorin, j'écoute Samuel. De Amorin, exactement. Ouais. Ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Pitou aussi, même si il est un peu trop individualiste, ça a fait du bien. Ouais, il a pas fait une place depuis Valenciennes, Pitou. Oui, mais c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai vu un lit volant encore à contre-temps dans tout. Je parle même pas de ces accélérations qui n'en sont pas. J'ai vu un Weisbeck jouer à contre-temps et jouer à contre-sens. J'ai vu un Ignatenko, celui qu'on connaît habituellement. Voilà. Et même Barbé, et pourtant, pas le plus mauvais, encore une fois. Oui, pas le plus mauvais, mais et j'ai vu un Barbé très, très, très hésitant sur ses placements, même sur les ballons hauts.
etc. Voilà. Ils bon, Laurent, pas. Laurent, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on te laisse regagner reprendre le train reprendre le train pour regagner ton domicile. Et bon courage à tous pour le débrief. Bon courage pour le talk lundi. Et puis maintenant, on va scruter les annonces du club parce qu'il va falloir qu'elles tombent très vite. Mais moi, je persiste à dire, hein, tu m'avais posé la question, Nicolas, après le match contre Auxerre, c'était le bon timing. On n'était pas encore trop loin et trop avancé dans le championnat. Là, c'est 14 points sur la première place. C'est-à-dire que tu mets minimum 10 journées, à 10-12 journées à revenir dans le bon wagon. Et encore, en faisant quasiment que des victoires et des nuls. Ouais, sur 10 journées, il faudrait gagner 8 fois et faire de nuls. Donc, ça va être très compliqué. Voilà. Merci, j'espère Laurent Trossis. Merci, Laurent, pour ta réaction depuis le stade. Et à très vite. Bon retour. Et allez, bon retour. À tous. Ciao. Allez, salut, Laurent. Salut. Au revoir. Allez, messieurs, je vous donne la parole. Tiens, on commence avec toi, Maxime. Premier tour de micro, on a entendu Laurent, là, qui nous a dit pas mal de choses intéressantes. Qu'en penses-tu après ce match? On t'écoute. Ben moi, je suis pas étonné du résultat. Quand j'avais vu la composition qu'avait proposée, je crois que c'est Joe, dans le talk, jeudi, avec Laval à 5 défenseurs, bloc bas, je savais que ça serait trop compliqué pour les Girondins, quoi. Laval a joué avec ses qualités. Quand ils ont le ballon, c'est pas fou, hein. Mais ils ont joué sur leur qualité, les coups de pied arrêtés, une défense très solide et leur gardien qui a sorti un grand match ce soir. Et à partir du moment où Bordeaux est mené 1-0, ça fait quoi maintenant 65 matchs, on n'arrive pas à renverser le résultat. Donc à partir du moment où Bordeaux perd 1-0, on sait qu'on ne renversera jamais le match. Et ce que j'ai pas compris non plus, c'est qu'on sait que Laval joue avec un bloc bas, mais on ne tente aucune frappe de loin pour les faire sortir. On essaie de rentrer dans la surface, et en rentrant dans la surface, on ne fait pas les bons choix et ça ne fonctionne pas. Merci, on va rentrer dans le détail. Kevin, on t'écoute. Bon, je suis abattu, je pense à peu près comme tous les supporters ce soir. Je suis abattu parce que globalement, je me suis dit, j'entends les joueurs dire tout le temps, on est derrière le coach, on est derrière le coach. Donc je me suis dit qu'ils allaient avoir ce sursaut d'orgueil et cette poigne dont on avait l'année dernière, le secret parfois, je pense au match contre Amiens notamment. Et en fait, au final, que dalle. Enfin, c'est affligeant le niveau qui est proposé encore ce soir. Alors est-ce qu'effectivement, s'ils savaient que le coach partait, ils auraient au moins pu lui rendre un dernier hommage, mais visiblement, c'était la seule chose qu'ils voulaient lui rendre ce soir. Mais il a fallu attendre 2 ans pour voir Guillaume faire un changement à la mi-temps. Donc ça fait plaisir. Et voilà, je suis dépité parce que j'ai l'impression que c'est un cercle sans fin ce club, que c'est sans arrêt la même chose, que t'as un peu d'espoir et que tout se dégringole derrière. Donc là, on parle de changer l'entraîneur, mais même avec un nouvel entraîneur, j'avoue que je vois pas comment ça va révolutionner le jeu, le système et le recrutement qui a été fait. Donc je suis assez inquiet. Et l'année dernière, on était très bien placé. On regardait Saint-Etienne un petit peu... en disant les pauvres, etc. Ben, je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire Bordeaux, les pauvres, parce que, comme tu l'as titré, je le pense depuis maintenant 2-3 matchs, on joue le maintien. Donc, de l'objectif montée, on passe à l'objectif maintien. Et oui, il va falloir se dire que la montée, c'est très très compliqué, même si en termes de points, mathématiquement, c'est pas encore fini. Mais là, il va falloir se dire que derrière, on peut effectivement avoir des concurrents à la montée, au maintien, pardon. La langue n'est pas prête à ce type de discours, mais effectivement... Ouais, le maintien en Ligue 2, c'est exactement de ça dont on parle. C'est ça, et on se dit que ça peut être ce soir, quoi. Ce soir, on peut se dire on joue le maintien sur le prochain match contre Angers. Donc voilà, il va falloir changer les têtes, changer les discours, changer peut-être l'entraîneur et advienne que pourra, parce que là, ça va être le cas, je pense. Merci Kevin, on va en parler. Hein. N'hésitez pas à liker, à partager, vous savez que ça nous aide. Samuel, un peu pris la parole avec Laurent, mais ton premier tour de micro à chaud, qu'est-ce que tu retiens là? Ah, Guillaume parle, c'est ça? Voilà, j'étais en train d'écouter notre ami David Guillaume, alors j'ai eu que la première réponse, là je pense qu'il parle de son avenir maintenant, mais la première réponse donc sur le match, il explique en disant que on a manqué de réussite dans le dernier geste, que c'était une semaine à 4 matchs, donc il fallait composer avec la rotation. Voilà, moi vous savez quoi, je vais pas faire de débrief à chaud, parce que j'ai réagi à chaud, je vais juste dire ce que je pense de cette rencontre, c'est que c'est son...
c'est son départ, c'est sa dernière rencontre. Et quand il nous fait cette analyse de match et quand nous, je viens d'écouter Maxime et Kevin, on fait notre analyse, on se rend compte qu'il y a encore un énorme décalage. Moi, ce soir, ce que j'ai remarqué, et je le disais dès la fin du match, c'est que Laval s'est dit « il faut qu'on marque un but ». Et derrière, on aura un collectif en face tétanisé, stérile, complexé, en manque de confiance, désorganisé, qui à aucun moment arrivera à nous contourner et à trouver la faille, parce qu'ils vont manquer de réussite, ils vont manquer de lucidité dans le dernier geste, de confiance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce match, quand Laval a ouvert le score, moi, je vais vous le dire, je ne me suis pas énervé. C'est peut-être, en fait, j'ai regardé le match avec une espèce d'apathie totale. On salue Jean-Michel, parce que je savais ce qui allait. Elle est horrible, la vanne. Je savais comment ça allait finir. On peut la valider aujourd'hui. Je savais comment ça allait se terminer. Même si j'étais content de voir enfin Delima et qu'il a apporté quelque chose, mais je savais qu'en fait, même si on apportait tout ça, le fruit a pourri de l'intérieur. Là, aujourd'hui, j'en discutais pendant le match avec des gens qui observent Bordeaux, mais qui ne sont pas forcément supporters ou qui suivent le club au quotidien. Et je le disais l'autre soir, vous le remarquez sur le terrain. Bon, je ne parle pas de Barbe et Gregersen qui sont un ton en dessous de l'an dernier. Je ne parle pas des Commiers ou de Lima qui sont jeunes et qui, pour moi, ne font pas forcément des mauvais matchs. Mais Michelin, c'était sur les 4-5 premiers matchs, peut-être de loin le meilleur joueur bordelais. On sent qu'il est en train de se faire contaminer par le niveau général qui chute. Elis, il a été intéressant sur un ou deux matchs par ses déplacements. Ça y est, il refait n'importe quoi. Il est numéro 9, il colle la ligne. Weisbeck, l'Ivolant. C'est deux frères, quoi. C'est PNL. C'est pour le coup, c'est pareil. Plus aucune confiance. Les mecs sont plus là. Tu sens à chaque toucher de balle, à chaque fois qu'ils rentrent sur le terrain, j'ai l'impression que non seulement ils n'ont pas du tout de confiance sur le terrain, mais qu'en plus de ça, bah, ils n'ont pas envie de se défoncer pour cette équipe. Pedro Diaz, c'est en train de chuter parce que, pareil, je pense qu'au bout d'un moment, à faire 4 matchs en une semaine, à faire tous les efforts, ben. Et au bout d'un moment, t'as quelques soucis physiques. Pitou, il a marqué un but contre Valenciennes. Il a décidé depuis qu'il n'allait plus passer un ballon. Voilà. Comme il a la coupe, il doit se dire qu'il est Messi au début de sa carrière. Voilà. Donc, en fait, quand tu fais le bilan de tout ça, c'est le bilan de David Guillon. C'est comme l'an dernier. C'est des individualités qui composent un collectif qui n'en est pas un. Quand les individualités prennent le pas sur le collectif, Bordeaux, par rapport au niveau du championnat, peut faire de grandes choses. Quand ce n'est pas le cas, Bordeaux peut plonger très, très bas. Et on y arrivait. Et c'était ça, la face cachée. La deuxième phase de la pièce de David Guillon. L'an dernier, on est tombé sur pile. Cette année, on est tombé sur face. Et bien voilà. Voilà pourquoi il fallait changer après Auxerre. Et pourquoi tous les discours de dire « c'est ridicule de changer après 5 journées, il faut de la patience, ça met du temps, gna gna gna. » Non, c'était de la paresse intellectuelle. Il fallait à un moment donné avoir envie de faire les choses. Et j'espère que ce sera le cas ce soir. Et je vais te dire, Nico, j'en suis même pas convaincu. Parce que quand je vois comment et par qui c'est géré, il va sauter Guillon. Mais qui va arriver? Avec quel projet? Sauter, comment? Ça fait depuis le 2 septembre et ce Bordeaux-Auxerre que tout le monde dit qu'il va sauter. Et je rappelle qu'on est le 7 octobre. Bien sûr. Ah non, mais tu as raison de rappeler. Il y a eu 5 matchs. Il y a eu 5 matchs entre temps. Clairement, Valenciennes, Guingamp, Grenoble. Mais rappelle-toi ce qu'on avait dit, Nico. Il y a eu 6 matchs. Rappelle-toi ce qu'on avait dit. Je crois que c'était soit avant le match de Valenciennes, soit après le match d'Auxerre. Je ne sais plus c'était quelle émission, parce qu'il y avait eu la trêve. Donc, on avait fait plusieurs émissions à ce moment-là. Où on avait dit, avec Gino, avec Joe, moi, j'ai notamment émis ce problème, qu'est-ce qui va se passer si ça ne s'améliore pas? On aura perdu 5 matchs, un mois de plus de travail. On y arrive. On y arrive. Et le résultat ce soir, tu l'as dit avec Laurent, c'est que Bordeaux joue le maintien ce soir. Pourquoi? Parce qu'au lieu, au bout de 5 journées, de prendre le taureau par les cornes et de se remettre en avant, on a décidé de voir comment ça allait se passer. Comme on a fait avec Petkovic, d'ailleurs, à l'époque. Trois fois les mêmes erreurs. C'est catastrophique. Là, il vient de parler. A priori, je vois les réactions de l'ensemble des chatters sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch. Vous dites, bon, pas sûr qu'il s'en aille. En tout cas, il ne va pas démissionner. Hein. En même temps, il est conforté à sa place. Il a raison. Bon, en même temps, il a... Oui, voilà. Donc, Nico, est-ce que... franchement, à la place de Guillon, moi, il n'y a pas de com'. Vous connaissez, moi,
Moi, Guillon, j'ai dit beaucoup de mal de lui en tant qu'entraîneur et sur son projet de jeu, etc. Et désolé de le dire aujourd'hui, c'est hyper mégalo, mais les faits me donnent raison sur tout ce que j'ai dit depuis un an, depuis le tweet que j'ai fait en janvier après le Havre où j'ai dit « David Guillon n'est plus l'homme de la situation », les arguments que j'ai donnés à l'époque, c'est tous les mots aujourd'hui du club, enfin de l'équipe. Donc oui, c'est très mégalo ce que je fais, désolé, il y en a qui diront « il se prend pour je sais pas quoi ». Oui, à ce moment-là, enfin, je dis moi, mais il y en a eu plein d'autres, hein, sur Twitter, sur machin, oui, j'ai plein d'exemples, des David, des machins, des Agista, j'en ai plein de noms de mecs qui l'ont dit aussi, mais on avait raison, il fallait le sauter. Maintenant, ça, c'est une raison sportive. Mais il y a un autre problème, c'est que Guillon, depuis une semaine, il prend toute la foudre. Donc aujourd'hui, ce n'est pas à lui, en plus d'assumer son départ. Ce serait tellement un désaveu supplémentaire pour le club. C'est-à-dire que le club qui disparaît pendant une semaine ne serait même pas capable de le virer. C'est lui qui serait obligé de partir. Et ça, Info Sud-Ouest, réunion en cours entre le président Gérard Lopez, le directeur sportif Admar Lopez et l'entourage. Alors l'entourage, James Steven, on peut dire. Peut-être Montero du staff, vu qu'il est très très proche d'Admar Lopez. On ne sait pas, mais bon, ça m'étonnerait quand même qu'il y soit. Mais bon, comme c'est un très proche. Et peut-être le directeur général, Thomas Jacquemet. Peut-être que c'est ça l'entourage. Est-ce que vous croyez. Maxime, est-ce que tu crois là, qu'ils vont annoncer ce soir quelque chose ou est-ce que c'est trop tard est-ce que Maxime, toi, tu es dégoûté? Tu dis. C'est trop tard, de toute façon, il fallait le changer, il y a 5 matchs. Là, on est en mode maintien, on a pris trop de retard et l'objectif, c'est mort. Est-ce que tu te dis ça Ouais. Ah ouais, exactement. Pour moi, bah, pas pareil que ça, mais Laurent, il fallait le virer dès le match d'Auxerre. Tu avais quasiment un mois de 100 matchs, donc le nouvel entraîneur pouvait arriver, préparer les joueurs. Mais pour moi, maintenant, c'est trop tard. Et même si on se maintient cette saison, est-ce qu'on ne va pas quand même descendre par rapport aux finances quoi? Dans tous les cas, parce qu'apparemment l'objectif c'était monter absolument, parce que sinon Bordeaux était en danger dans tous les cas. Donc là, on va dire qu'on va se maintenir, mais si c'est pour couler par la DNCG et tout ça, en fait ça sert à rien quoi. Moi, pour moi, j'ai très très peu d'espoir. Je suis abattu. Moi, pour moi, on montera pas. Même s'il y a les 5 premières places qui peuvent t'amener en Ligue 1, pour moi c'est trop compliqué. Même jouer les barrages, on va jouer contre qui? Ça se trouve, on va jouer l'Olympique Lyonnais. Déjà, il faudrait être cinquième. Déjà, il faut finir cinquième. Il faut battre le quatrième. Après, il faut battre le troisième. Et après, il faut aller jouer un barragiste de Ligue 1. C'est très, très compliqué. Kevin, t'en penses quoi, là? Toi, tu l'as dit, hein, tu dis on est en mode maintien. Est-ce que tu crois, là, il y a une réunion qui vont sortir le coach, là, dans le week-end? Ou l'écarter, et vu qu'on est dans une trêve, là. Là, on est dans une trêve internationale. Le prochain match, c'est le 21 octobre. Donc, il y a une fenêtre de tir, une nouvelle fenêtre de tir. Bah, la fenêtre, elle est maintenant ou jamais, si tu veux changer ton coach, en tout cas, jusqu'à la grosse trêve hivernale. Après, globalement, c'est là ou jamais, en fait. Parce que sinon, tu vas amener un entraîneur en cours de semaine, en cours de match, un match sur le week-end à l'autre. C'est impossible. Donc, c'est soit maintenant, et c'était ce qui était prévu, et tout se joue en coulisses depuis, comme l'a dit Sam, quelques matchs. Et là, ce soir, c'est la conclusion. D'où la fameuse réunion, l'annonce dans la presse, etc. Parce que bon, je pense qu'il y a eu des réunions avant ça, je l'espère en tout cas. Sinon, ça voudrait dire qu'on est très, très mal géré, encore une fois. Donc oui, ce soir, c'est sûr qu'il va y avoir un changement. Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Un changement pour quoi? Pour qui? Pour combien de temps? Et pour quel projet sportif? Parce que j'aime bien qu'on me dise on joue la montée, on va mettre 60 buts, on va jouer avec 60 points à la fin de la saison, je ne sais pas ce qu'il nous a sorti comme connerie. Mais là, il faut qu'on se mette aussi en mode, c'est quoi le projet de jeu aux Girondins de Bordeaux? C'est quoi le recrutement? Dans quel but il a été réalisé? Pourquoi? Pourquoi on empile des joueurs? Pourquoi y a trop de pourquoi en fait dans l'équation? Et pourquoi on va jouer un barrage pour au final, comme le disait... Max, se dire il y a la DNCG derrière et Lopez a clairement dit qu'il ne remettrait pas 40 millions et que c'était en termes de finances c'est la Ligue 1 ou rien. Donc à un moment donné, on est déjà un club en sursis en fait de base. On n'a pas une position où on peut se dire bon vas-y tranquille on joue le maintien et puis l'année prochaine on repartira avec un nouveau coach, un nouveau projet. On le sait, c'est quasiment la dernière saison qu'on peut faire en Ligue 2. Donc en fait, t'es sur un fil et le fil, en fait, plus t'avances et plus il s'enlève devant toi, en fait, il se dérobe. Donc tu marches sur un pont de lave et t'attends que ça passe, quoi. Sauf que là, on arrive dans une phase où psychologiquement, on sait pas jouer un maintien. On l'a vu en Ligue 1, on sait pas jouer le maintien. Là, on le voit, les mecs, ils ont aucune réaction, c'est apathique au possible.
L'année dernière, tu avais Barbé, tu le voyais, il pétait des câbles sur le terrain, il sautait partout, il était en mode leader, ça mettait des têtes rageurs, ça mettait des coups francs, ça se battait comme jamais. Et là, c'était moi un match de Barbé où on l'a vu faire ça. Il n'y a plus de leader sur le terrain, les mecs. T'as Enfin, il faut dire la Concarneau, vérité. où il Le va premier tirer match de le la penalty, il saison. marque, et t'as Amiens où il te débloque le match sur un exploit Et individuel. depuis? Et depuis? Voilà. Oui, non, mais Voilà. je t'en ai cité Bah deux. ouais, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, Oui, c'est qu'il mais n'y a plus sur de une leader sur action, la pas sur pelouse. un match entier. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais moi, Il n'y je a l'ai plus de dit au début leader de aujourd'hui aux saison. Girondins de Bordeaux. Il y a trop de turnover, il n'y a plus de leader. Le groupe, il n'y a pas de cohésion de groupe, ça vit Bah mal, on oui. le sait. Moi, je l'avais dit dès le début de saison sur Twitter. Les gens ils te disent pourquoi tu dis ça? Mais voilà, les faits, ils parlent d'eux-mêmes. Après, quand tu vois la déclaration de Vital Nsimba, je ne sais pas si vous l'avez vu avant le match, où il C'est dit pour tous ça les que je me joueurs des chauffe pas Girondins dessus, de Nico. Bordeaux, Je me chauffe pas dessus. me, C'est pour tous ça que les je te joueurs dis des ça. Girondins de Bordeaux sont derrière David Guillon. C'est C'est pour ça que je Vital te dis Nsimba ça. qui te dit ça en direct devant les micros. Non, c'est Il les te dit ça. détracteurs, moi, que je cautionne pas, mais Voilà, après. merci Kevin, parce que moi, autant cette Vas-y. phrase, c'est de la politique, ok, il n'y a pas de souci, Vital, on le comprend. Par contre, Vital, c'est comme Barbé il y a une semaine, et je l'avais dit, après, j'ai eu Barbé en face de moi en conférence de presse, il a tenu un autre discours. Donc, j'ai un peu fait un pas en arrière par rapport à Barbé, mais Simba, cette phrase, et c'est comme Barbé, là, les deux, trois phrases dernière semaine sur les détracteurs et tout machin, les gars, vous vous foutez de la gueule de qui, en fait? De Pourquoi vous ouf. nous manquez de respect comme ça? On vous a manqué de respect, vous, depuis que vous êtes revenu? On est tellement fiers que vous portiez ce maillot, que vous avez amené une exigence, etc. Et là, cette année, vous n'êtes pas bon sur le terrain, ça arrive, on sera derrière vous. Mais par contre, venir commencer à nous faire les discours de ouais, c'est des détracteurs, c'est des gens qui veulent. Oh, vous foutez de la gueule de qui, là? Donc, soyez au niveau sur le terrain. Et en fait, comme l'an dernier, il n'y aura pas de détracteurs. Il n'y aura que des gens qui vous diront c'est bien. Mais nous, après, on est observateurs, on est des êtres humains, on a un cerveau, on a des yeux, on voit que vous ne faites pas des bons matchs. On peut le pardonner. On espère que vous avez trouvé des solutions. Mais il ne faut pas nous prendre pour des cons derrière et nous dire que, en gros, limite, on est des détracteurs. Et les détracteurs, je l'invite à ouvrir un dictionnaire, Vital, pour bien regarder ce que ça veut dire détracteur. Parce que les mots comme ça qu'il y a dans les médias qu'on utilise à tout va, faut aussi comprendre le sens. Ça s'adresse Quand tu peut-être dis pas à toi, non, mais personnellement, Nico, à je vais pas me d'autres. faire autant, je vais pas me Après, faire autant d'honneur. Non, mais Nico, je vais pas me faire autant d'honneur. Mais dire aux supporters bordelais qui sont 20-25 000 chaque semaine dans le stade en Ligue 2, que c'est des détracteurs parce qu'ils ne sont pas contents de voir Bordeaux 16e, là, Vital, je suis désolé, tu te fous un peu de notre gueule encore une fois. surtout que nous, Donc, on il n'y paye a tous pas de les souci. week-ends pour aller voir jouer les Non, Girondins de mais Bordeaux, en au-delà fait. de ça, c'est au-delà. Oh, bien sûr, tu as raison, Kevin, mais au-delà de ça, nous, on est à fond avec eux, on a toujours été. Bien sûr. J'ai très, très bonne vanne sur le terrain, sur le chat, sur détracteurs sur Oui, le terrain. En détracteur, deux ouais, mots, Jérôme, je l'affiche. c'est très, très bonne vanne. Mais pour le coup, moi, ce que je lui dis juste, c'est qu'il manque de respect vraiment aux supporters bordelais, qui ont toutes les raisons de ne pas être contents de voir leur club dans cette position, et que lui, il caricature ça en étant juste des détracteurs, des gens qui voudraient dire du mal pour dire du mal. Non, non. Ça, Après, lui, non, j'ai mais une lui et autre Barbé lecture, n'ont pas moi. le droit. Oui, non, Ils c'est doivent dit. avoir, non, mais ils doivent porter vraiment de l'exigence dans ce club comme ils l'ont fait l'an dernier. Ils n'ont pas le droit de verser dans ça, vraiment. Je pense que le club est divisé et que tu as des clans, ceux qui soutiennent Guillon, ceux qui soutiennent pas Guillon dans l'équipe. Et voilà, donc ça s'adressait peut-être aussi à ces gens-là. Peut-être c'était un message C'est caché, quand mais même bon, on va pas maladroit. C'est quand même surinterpréter. maladroit. Mais il dit C'est quand quand même même tous les maladroit, joueurs des Nico. Girondins de Bordeaux soutiennent David Guillon et on va faire taire les détracteurs en Mais gagnant le justement, match. Nico, Voilà. comme il fait un Et voilà. discours, comme il fait un discours très politique sur on soutient tous David Guillon, il doit avoir le même discours derrière en disant on se doit de gagner pour faire plaisir à tous les supporters et aux membres de ce club. Voilà. Alors certes, effectivement, c'est pisser dans un violon, permettez-moi l'expression, mais au moins tu ne dis pas des mots qui, pour le coup, n'ont pas de sens et sont démesurés par rapport à la situation. Et je leur dis juste de faire attention à ça. Après, on va pas juger une Simba sur ça, il n'y a pas de Oui, enfin, de la problème. politique. Voilà. Je pense que les joueurs ne disent pas, parce qu'ils ne peuvent pas dire la vérité du vestiaire, la Oui, mais t'es pas vérité, obligé de de leurs dire ça. ententes. C'est Voilà. ça. Tu peux dire je répondrai pas sur ce type de questions. Nous, on est avec le coach, Non, basta. on T'es pas doit obligé de gagner. Je dire. te dis, Kevin, on doit J'entends. gagner, c'est tout, basta. T'es pas obligé de Voilà. dire oui, on est tous derrière le coach si tu le penses pas. C'est là où je te dis, pour moi, ils sont avec lui, je le pense sincèrement. Mais pas pour le coup, tu dois montrer autre chose si Ils t'es sont derrière pas le tous coach. avec lui. Ils sont pas Ouais, tous après, avec j'ai lui. pas de source interne, mais si tu le dis, Oui, bah oui, j'imagine que c'est tu as plus sûr. d'infos que moi. Ouais, bah oui. Hein. De toute façon, il suffit de voir les prestations de certains. Ou de voir les entraînements. Voilà. Donc oui, même si c'est difficile à percevoir, mais tu vois toujours que bon, ça vit pas, quoi. Ça vit pas. C'est pas. Ça n'a rien à voir avec l'année dernière, quoi.
Messieurs, bon, je voulais vous faire réagir sur ça. On a parlé de David Guillon hein, qui va sûrement partir, alors certainement pas pendant cette émission, je pense. L'effet de jeu, Bordeaux qui est mené, un attaque-défense, un copier-coller des deux ou trois derniers matchs, je trouve. Un copier-coller, tu peux jouer deux heures, tu marques pas un but. Élis en pointe, je sais même pas si on peut parler du match. Vous avez vraiment envie de parler du match? Non. Et des prestations sportives. Tu veux qu'on dise que Élis. Dites-moi. Tiens, Maxime. Maxime. Élis, il était derrière Michelin tout le match, donc il n'était pas en pointe hein, déjà. Tiens, Maxime, est-ce que tu veux aborder un point sur le match là, moi, je ne sais pas quel point tu veux. Ça, ça va être vite fait. Première mi-temps, on ronronne. Et deuxième mi-temps, ben, c'est du n'importe quoi. On aurait dit qu'on était revenu à l'époque de Petkovic, comme a dit Laurent. Quand tu vois les changements qu'il a fait, Guillon. Donc, ouais, c'est vite fait. Hein. Il fait quand même un changement à la mi-temps. Ouais, ça, c'est à signaler. De Lima qui rentre. Allez, un petit mot sur De Lima. Impact player. Je trouvais qu'il a fait une très bonne rentrée. Ouais. Très bonne rentrée. Il a fait des bons centres, tout ça. Il a eu pas mal d'activités. C'était mieux que Ekomi qui avait fait une première mi-temps moyenne, disons. De toute façon, c'est un joueur moyen. Il a apporté un petit plus par rapport à Ekomi. Même moi, si j'aimerais bien le voir plus haut quand même, De Lima, sur le terrain. Parce que c'est un petit faux-follet, il peut mettre le feu dans les défenses. Voilà, très bonne rentrée de Lima. Après, Westbeck, c'est du Westbeck, quoi, comme depuis le début de la saison. Il joue à l'envers. Westbeck, Livolan, c'est catastrophique. Hein. Mais sur De Lima, je veux tous vous entendre. Tiens, Kevin, et après Sam sur De Lima, et après on se fait une analyse Westbeck-Livolan. Une analyse Finger. J'ai tweeté et j'ai dit c'est terrible de voir que depuis la blessure de Nsimba, tu as De Lima sur le banc et que tu t'en es privé pendant tout ce match. Voilà, c'est terrible parce que tu vois que le mec il apporte. Alors après, on va te dire oui, physiquement, il est pas au niveau de la Ligue 2, blablabla, blablabla. Bla, bla. Mais au final, tu vois que ça a été le meilleur sur les entrants. Il a été un impact player, il a apporté beaucoup de choses. Et quand on l'a mis sur le banc, je ne sais pas pourquoi, il aurait pu même à la 60e à des matchs rentrer et nous apporter ce qui nous a manqué. Sur beaucoup, beaucoup de matchs. Voilà, donc encore une fois, on ne fait pas confiance aux jeunes et c'est les jeunes qui t'apportent quand ils rentrent et qui font les différences. Donc, c'est encore une fois hyper étonnant. Je dois avouer que je suis complètement décontenancé avec ce club et cette équipe de Bordeaux. On vend Bakwa et Mwanga sous talent de la formation girondine et cette année, on n'a pas vu un jeune sur le terrain à part deux Amorins. De temps en temps, qui rentre pour faire plaisir et encore. Mais du coup, le branding qui t'apporte presque 20 millions au mercato, tu ne le fais pas jouer sur ce début de saison de Ligue 2 où tu es en difficulté. C'est encore un des mystères qu'on ne percevra pas, je pense. Mais ouais, en tout cas, De Lima, à revoir plus souvent. Sam. Tu veux dire un truc sur Marvin De Lima ? Tiens, petite info sur VP, il a touché 5 ballons en 30 minutes. On en parlera après. C'est fait. Voilà. 5 ballons. Merde. Je pense que c'est bon. On a tout dit. Le VP. Pardon, je t'ai coupé sur le VP. Ah non, mais t'inquiète, mais dans le sens VP, je pense qu'il n'y aura rien à dire de plus. Hein. Voilà, 5 ballons. Touché 5 ballons. 5 ballons, mais en même temps, c'est compliqué de toucher des ballons quand. Enfin bref. Mais bon, ça n'est pas étonné. Mais sur De Lima, bah, je suis content de voir que Guillaume a eu le temps d'écouter le talk depuis jeudi. Voilà. C'est beau. Non, mais Comme vient de dire Kevin, on l'invitera. Oui, oh, avec grand plaisir. Mais vraiment, en plus, pour le coup. Un homme charmant, au-delà de tout ce qui se passe en ce moment. Et je suis sûr que pour le coup, il répondra à tout. Il n'assumera pas tout parce qu'il n'est pas d'accord, mais il répondra à tout. Et au moins, contrairement à d'autres, c'est un signe d'honneur qui est respectable. Mais De Lima, voilà, on ne l'a pas vu pendant un mois et demi. Alors que tout se prêtait à ce qu'il joue. Il y a eu notamment à un moment donné où Ekomi revenait de la sélection avec le Gabon, où lui sortait d'un bon match amical contre Clermont, il n'a pas joué, etc. Et là, il a fallu qu'on râle, enfin je dis nous, mais il n'y a pas que nous, hein, tout le monde. Il a fait que les supporters râlent de Lima, ben, il a fait jouer de Lima. Voilà, et de Lima a fait une bonne rentrée. Et c'est comme l'an dernier quand il a fini par mettre Piringuel parce qu'on râlait. En fait, voilà, il n'y a pas d'idée, il finit par mettre les gens parce qu'on les appelle, les gens qui rentrent apportent quelque chose. Mais bon, le problème, c'est que c'est trop tard. Tu ne les as pas intégrés dans un collectif. Ils sont obligés de faire du one-shot sur un laps de temps qui, bon, même si là, il a 45 minutes quand même, mais c'est compliqué d'être ultra performant. Mais il a été très intéressant. Et j'espère que le prochain coach l'utilisera.
Et par rapport aux jeunes, on peut rajouter il était intervenu en conférence de presse, David Guillon, pour dire oui, les jeunes, il faut les mettre dans des bonnes conditions, etc., etc. Et on peut s'apercevoir que De Lima, il rentre dans un moment critique pour le club. Hein, c'est un peu la dernière chance pour rester dans le haut tableau. Et il rentre à un poste où qu'il découvre, Non où mais il est en Nico, plein apprentissage. c'est lunaire. Donc tu n'as Mais pas c'est ça en vraiment fait. de Moi, cohérence dans ce désolé, qu'il c'est a annoncé lunaire. et ce qu'il fait. Non, mais, Donc désolé voilà, de le parce qu'il n'a dire à pas le tous ceux choix. que moi j'en ai beaucoup parlé, y compris avec certains de mes collègues journalistes, qui ont toujours ce truc de dire mais tu peux pas faire jouer les jeunes, mais non mais ah vous réclamez les jeunes, mais les jeunes ça fait pas machin et tout. Déjà moi je leur dis à chaque fois qu'ils me parlent de ça, je leur dis bah l'an dernier c'est quand même un contre-exemple édifiant. Voilà, déjà. Et sinon, je leur dis, mais quelle preuve on en a vu qu'on ne les fait pas jouer? Et en fait, c'est pour ça que moi, je suis lassé. J'ai l'impression de refaire le débat de Pierre Ingueld l'an dernier, quoi. Mais De Lima, comme Pierre Ingueld, quand il a joué, il est bon. Donc peut-être que comme quand il joue, il est bon, il faut peut-être le faire jouer. Et pas se dire, bah, il est jeune, c'est une situation compliquée. Parce que je vois tellement de joueurs beaucoup plus en difficulté que lui sur le terrain. Et tu le vois déjà à la prépa, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on dit souvent, ouais, les matchs amicaux, c'est pas pareil qu'en vrai. En fait, quand je regarde les matchs amicaux, ben, je vois De Lima, comme ce soir, avoir beaucoup d'activités, apporter des occasions. Et je vois les mêmes mecs qui ronronner aussi en Ligue 2. Donc, il faut arrêter avec ces poncifs. Il faut arrêter. Bah, tu vois Voilà. Mathistel au Bayern, alors je vais prendre un exemple Bah, lunaire, exactement, mais Kevin, t'as raison. t'as Mathistel au Mais. Bayern, il a 18 ans, leader de l'attaque du Bayern de Munich. Mais sinon, les jeunes, ils n'ont pas le temps de jeu et on peut prendre le Mbappé, tu prends Bellingham, tu prends qui tu veux. Les mecs, ils ont 23 ans grand max et ça éclate tout. Mais il ne faut pas faire jouer aux Girondins de Bordeaux, il faut attendre qu'ils aient 28 ans pour qu'ils puissent jouer. Kevin, je vais Voilà. même aller plus loin. Moi, un joueur, alors je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis parce qu'il y en a qui l'adorent, mais moi, un joueur comme Kimpembe, je le trouve très moyen. Et quand tu parles avec ses formateurs à l'époque au PSG, Pareil. ils te disent que Kimpembe au PSG, il était remplaçant latéral gauche en jeune et qu'en gros, c'était pas le plus indiqué pour faire une carrière pro, encore moins pour être dans un grand club, être champion du monde à 19 ans, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, déjà par sa personnalité, il s'est intégré aux entraînements. Et puis un jour, il y a un entraîneur qui a décidé de le mettre dans un huitième de finale de Ligue Champion contre le Barça. C'était pas son premier match, hein. Il avait déjà une quinzaine, vingtaine de matchs avec le PSG en Ligue 1, des petites rentrées de quelques minutes. Eh ben, il a fait le match de sa vie. Et moi, je suis toujours pas un grand fan de Kimpembe, mais il a la carrière qu'il a aujourd'hui parce qu'il a su être présent dans des grands moments. Et être présent dans des moments où on a besoin de lui, se développer comme ça. Et moi, je pense sincèrement, comme Wanga, comme Bakwa, etc., que ces joueurs-là, si on les en plus et qu'on évite de les vendre au bout d'un an, parce que derrière, leur progression, elle se stoppe, et il y en a peu qui réussissent, même si on a quand même de beaux bébés qui sont sortis ces dernières années, ben, si jamais ces mecs-là, tu les intègres vraiment, au lieu d'aller foutre 12 millions sur ton mercato cet été, ben, moi, je peux pas m'empêcher de penser que tu pourrais toujours avoir une équipe avec, bon, pas Sekoumara parce qu'il a sauvé le club à l'époque, mais tu pourrais avoir gardé et Mwanga et Bokele et avoir déjà un peu plus de certitude par rapport à l'an dernier. Et tout ça, tu l'as foutu à la poubelle et tu as décidé de prendre plein de joueurs qui sont pas mauvais, c'était un recrutement même que je trouvais cohérent, moi, à l'époque. Mais tu as décidé après ce recrutement de dire, ces joueurs-là ferment la porte aux jeunes. Alors que les jeunes, pour moi, auraient pu ramener justement dans ce groupe un Pierre Ingueld, aurait pu mettre une leçon à Weisbeck sur ce début de saison. Parce qu'il était intégré, parce qu'il avait fait une bonne prépa, parce qu'il avait marqué, parce qu'il aurait pu être décisif. Et ce mec-là, il aurait montré à Weisbeck, hey, bonhomme, ouais, ça fait 3-4 ans, t'es bon en Ligue 2. Moi, cette année, je veux prendre la place. Derrière, tu tires la concurrence. Non. Les Ah non, statuts, ah toujours les non, on va questions de laisser où? statut. Voilà, exactement, c'est ça. Voilà. Après, on ne sait pas si cette gestion, elle vient du directeur Ouais, mais sportif, elle vient du les club, elle statuts, c'est vient du sur coach, Facebook, hein, elle vient un peu normalement. de tout le monde, Mais on je manquait crois. d'expérience, les gars. On manquait d'expérience. On n'avait pas d'expérience dans cette équipe. Il nous fallait Et de l'expérience. justement, en parlant d'expérience, nos deux capitaines de Guingamp, de Sochaux, qui ont fait une très mauvaise saison l'année dernière, soit dit en passant, ayez-le tous en tête, la Non, saison de non, non, très Sochaux mauvaise l'année saison. Je suis moins dernière. d'accord avec Ils toi. ont J'étais le premier à les défendre. J'étais le premier à les vouloir aux Girondins. Ils ont très Ils ont mal pas fini, Nico, fait une bonne mais saison l'année dernière. niveau lent, c'est Voilà. pas fou. Moi, je suis pas d'accord. Bon, c'est pas grave, vous avez le droit. Je suis d'accord. Par rapport Ouais, au niveau même par rapport au d'accord. niveau général, Très c'était bien. plutôt bon, Nico, quand même. Mais ils ont mal terminé. Ça, t'as raison de le dire. Ils se crachent tous les deux sur la fin de saison. Ils Ça, c'est arrivent à vrai. Bordeaux, Mais bon. l'un en prêt, Weisbeck, l'un recruté avec un contrat de plusieurs saisons, Livolan. Et aujourd'hui, Livolan est titulaire, Weisbeck rentre en deuxième période. Messieurs, comment avez-vous trouvé leur prestation? Tiens, je te laisse commencer, Kevin.
Bah, comme depuis le début de saison, hein, j'étais le premier l'année dernière à te parler, si tu te souviens, de dire putain, pourquoi on n'a pas un Livoulin ou un Welsbeck aux Girondins de Bordeaux. Bah, je suis le premier archi déçu parce qu'au final, j'ai l'impression qu'on ne sait pas les exploiter ou on n'a pas le système qui va avec, ou ils sont en fait Nico. les deux complémentaires et donc on n'aurait pas dû recruter les deux en même temps. Mais comme depuis le début de saison, inexistant, que ce soit au match de prépa ou depuis le début de saison en Ligue 2. Ça met pas un pied devant l'autre, c'est tout à contre-temps. C'est terrible en fait de se dire que tu as quand même deux cadres de Ligue 2, au-delà de porter deux clubs. Mais là, tu as deux cadres de Ligue 2, normalement, tu es censé avoir un truc au milieu de terrain, quoi. Et là, en fait, et un attaque, et au final, tu n'as rien. C'est le néant absolu. Donc, c'est terrible parce que, bon, tu dis, c'est quand même pas un recrutement et un mercato sur le papier dégueulasse, quoi. C'est quand même un truc où t'es censé avoir un mercato de qualité, t'as posé des joueurs d'expérience, comme on disait l'année dernière. Mais après, ouais, ils apportent rien de plus en ce début de saison et ça se voit. Ça se voit. On n'a pas de joueurs qui vont faire la diff, qui va être leader vraiment à proprement parler et c'est apathique. Donc c'est pour ça qu'ils sont même pas titulaires d'ailleurs, parce que de toute façon, tu peux pas les faire jouer les deux titulaires en même temps. Et auquel cas, les performances ne permettent pas de les mettre titulaires. Donc. Le problème est vite réglé en fait au final. Maxime sur Livoland et Weisbeck, leurs prestations, Apparemment, comment tu les as trouvées? Oui. Nico, ce serait ouais. je Mise à viens pied de Guignon de. apparemment. Ouais, Ah. voilà. Ouais. Ça y est? Voilà. Ouais, C'est pas apparemment. encore Ah. officiel, mais c'est pour ça que je me suis absenté 2 secondes. Tu m'as mis à Ouais. pied à titre conservatoire. Bon, mais Ouais, c'était réglé ouais. avant, comme on l'a dit tout à l'heure, Ouais, c'est c'était ça, réglé avant. exactement. Voilà. Bon, c'était déjà décidé. Et franchement, pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Ouais. Parce C'est qu'on incompréhensible. est lâche. Peut-être pas Il l'argent attend, je pense ou. qu'il attendait un miracle, Lopez, qui Non, gagnait trois mais même matchs. s'il n'y avait pas de miracle. Ouais. C'était On a décidé avant, donc comme ce que perdu nous a du dit temps. Laurent Crossis avant le match. C'est quand même. Et on peut revoir du coup la déclaration de Un coach va être Ben nommé dans les Simba un peu prochaines heures. différemment, tu vois, peut-être pour une marque de soutien au coach. Communiqué du club, communiqué du club, c'est Ah, officiel. voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, vos réactions, on va le lire. On va Allez, le il y lire, a le rien. communiqué. Juste, il est mis à titre, mis à pied à titre Voilà. conservatoire. Fin. Ah, ok. Voilà. Ok, C'est trois bon, ben secondes. voilà. David C'est. Guillon, mis à pied à titre conservatoire. Bon, allez, vos réactions. Samuel Vasselin, ta réaction à cette nouvelle info? Contrairement à ce que tout le monde pense, je ne suis pas heureux que David Guillon soit limogé aujourd'hui après 10 journées parce que même si effectivement je suis catalogué comme un anti-Guillon parce que effectivement, je l'ai dit depuis encore une fois le match après Le Havre l'an dernier que David Guillon n'était plus l'homme de la situation parce que pour moi, et j'en avais parlé avec plusieurs personnes et j'étais pas le seul à avoir ce sentiment, David Guillon tactiquement ne maîtrisait plus son groupe et le championnat, alors que c'était sa principale qualité qui lui ont permis de rester après son échec total en Ligue 1. David Guillon est quand même l'entraîneur de Bordeaux qui a le plus faible total de points en Ligue 1. Il est resté, alors pour moi, on ne garde jamais un entraîneur qui te fait descendre, ça paraît logique, avec l'argument de Guillon, c'est quand même l'entraîneur qui a le record en Ligue 2. Il a montré encore une fois, dès le match de Le Havre l'an dernier, après une période de fin octobre, il y a eu la Coupe du Monde et décembre, où il a été catastrophique, qu'il n'était plus l'homme de la situation. S'en est suivi énormément de matchs où on a été sauvés par nos individualités, et c'est ce qui caractérise pour moi l'ère Guillon. Il y a eu en Ligue 1 les quelques matchs plutôt réussis avec les matchs à Nantes, les matchs à Brest, le dernier, le match contre Saint-Etienne en partie, où c'était des individualités. C'est Kumara, même Banyang qui avait réussi notamment sur un ou deux matchs à être bon. C'était les individualités qui nous avaient sorti un petit peu. Du gouffre par petits moments sur le terrain, mais globalement, le collectif n'existait pas. Il avait repris les bases de Petkovic en se trompant. L'an dernier, il a eu une équipe imposée au début de saison par rapport à ce qui se passait au club. Il est resté sur ça, il n'a rien changé parce que ça fonctionnait. Il est resté aussi sur le choix Mwanga qui lui a imposé de le mettre au milieu parce que tout le monde était blessé et qui lui a permis d'équilibrer un peu mieux son équipe sur la deuxième partie de saison. Mais globalement, il n'a jamais rien maîtrisé. Et il n'a pas maîtrisé les 2 derniers matchs d'Annecy et de Rodez. C'était quand même assez criant, même s'il y a eu 30 minutes contre Rodez. Il n'a pas maîtrisé son début de saison. Il a eu toute l'intersaison pour travailler sereinement avec un directeur sportif et un président dont il faudra parler aussi plus tard. Je pense qu'on se le garde pour lundi, ça, mais qui ont beaucoup de responsabilités aussi. Mais malgré tout ça, malgré toute cette sérénité, malgré tous les jokers qu'il a eus, David Guillon n'a jamais été au niveau des Girondins. Donc ce soir, je suis malheureux parce que
Moi, aujourd'hui, on est en octobre 2023. Mon club est plus proche du national que de la Ligue 1. J'aurais voulu que Gérard Lopez, qu'Admar Lopez, que David Guion réussissent. Malheureusement, dans la vie, il faut arrêter avec les espoirs parfois, parce que la réalité, quand elle est face à nous, il faut arrêter de refuser de la voir. Dans ce club, à tous les niveaux, de la direction aux supporters, beaucoup de gens ont refusé de la voir. Celle de David Guion était évidente. J'espère qu'elle vous revient tous aujourd'hui en plein dans la figure. Sauf que, peu importe qui avait raison, qui avait tort, on va tous en pâtir. Je souhaite juste bon courage maintenant à celui qui va prendre la suite. Et comme je l'ai dit lundi, celui qui prendra la suite de David Guion, à cause du travail de David Guion sur les 10 premières journées, n'aura pas le droit à l'erreur jusqu'à la 38e journée du championnat. Bon courage à lui. Merci Samuel. Réaction, tiens Maxime, mise à pied de David Guion. Ouais, comme je disais tout à l'heure, on a perdu du temps, ça aurait dû être fait depuis bien plus longtemps. Comme l'a dit Sam, après la descente en Ligue 2, il aurait déjà dû être démis de ses fonctions. Bon, c'est pourquoi elle est restée, parce qu'on ne savait pas si Bordeaux, déjà, allait jouer en Ligue 2, ce qui s'est passé pour la DNCG. Et il aurait dû aussi être viré dès la fin de saison dernière, quoi. On voyait que tactiquement, même la saison dernière, on n'arrivait pas à renverser un score. Il amenait rien tactiquement, il n'y avait pas ce teniaque. On voyait qu'il n'y arrivait pas. Et après, je lui souhaite une bonne continuation quand même, parce que ça a l'air d'être un gentil mec quand même. Et puis j'espère que le prochain qui arrivera réussira à relever la tête des joueurs. Et pourquoi pas un miracle, même si j'y crois pas, même si on aura un nouvel entraîneur. Surtout, j'espère que ce sera après. Moi, je ne le connais pas à Sacramento. Mais si ça veut dire que c'est lui qui vient, ça veut dire que le staff en place restera. Puisque ce sera les choix de Lopez et Lopez. Donc ça veut dire que Montero, tout ça restera. Et pour moi, si Guillon part tout seul, en fait, ça ne servira à rien. J'espère qu'aussi le staff partira avec lui. Voilà, ça sera à surveiller. Merci Maxime. Ouais. Kevin, David Guillon, qui est mis à pied. Donc voilà, fin de l'aventure. Après 20 mois comme entraîneur des Girondins de Bordeaux. Enfin, j'ai envie de dire, ça y est. Maintenant, il ne faut pas se leurrer non plus, hein. C'est pas ça qui va révolutionner les Girondins de Bordeaux. Tant qu'au-dessus, il n'y aura pas une prise de décision et une volonté. Je ne pense pas que Lopez ait mis 40 millions pour voir le club sombrer en national. Je ne vais pas aller jusqu'à là dans mes propos. Mais par contre, y avait des dispositions qui devaient être prises, le président délégué, etc., qui n'ont jamais été prises. Et quand tu te permets de ne pas être présent contre Caen à domicile alors que ton club vit une crise. Peut-être pour des raisons contractuelles, j'en sais rien, mais ce serait bien qu'on ait en fait quelqu'un qui soit là tout le temps. J'en veux pas l'homme d'affaires, hein, je suis pas dans son agenda. Mais ça serait bien en fait qu'on ait un club avec une stabilité. Il faudrait aussi faire le bilan de Lopez, Admar. Je sais pas depuis aussi combien de temps on le dit, mais c'est juste. Guillon est un homme de paille pour moi depuis le début. Je sais même pas s'il a déjà fait une compo, je sais pas. Beaucoup de choses en fait, donc au final remettre un nom différent, je sais pas si ça va changer quelque chose au mal qui est peut-être un petit peu plus profond et que tout le monde ne veut pas mettre ou ne veut pas dire parce qu'il faut rester dans la bienséance et dans la bien-pensance collective, mais il y a quand même des manquements à tous les niveaux et je pense qu'aujourd'hui Guillon est la résultante de tout ça, il est le fusible que tu appuies quand il y a des choses et l'entraîneur, là, il l'a dit lui-même, hein, c'est le fusible visible et tu appuies dessus, mais en fait, si derrière tu changes rien à toute l'organisation du club, à comment on fonctionne et que tu te dis pas là ce soir on est en mode maintien, que tu dis toujours je joue la montée avec 60 buts et 60 points, le mal il va pas être corrigé en fait. Et je rejoins mes camarades, hein, pour arriver là, à ce moment-là, c'est catastrophique pour un entraîneur. D'autant plus les noms qui sont annoncés, c'est pas des mecs Lamouchi, avec, Sabri Lamouchi, c'est un nom qui circule énormément, mais c'est une info qui n'est pas vérifiée, mais c'est un nom qui circule. Sacramento, il n'a jamais été coach, donc tu voilà, fais un pari. On ne sait pas qui va succéder. Il y a Stéphane Moulin qui est libre aussi. Il y a pas mal d'entraîneurs qui sont libres pour lui succéder. Il faudra regarder aussi la constitution du staff. Ça en dira beaucoup, je pense, sur le projet. Parce que si tu gardes encore les mêmes membres du staff, parce qu'on peut penser que Denis Zanko va partir, et on peut penser aussi que le nouveau coach va arriver durant cette trêve, puisque Bordeaux ne rejoue que le 21 octobre. Ouais. Donc, Selon Carpentier, l'entraîneur serait nommé dans les prochaines heures. Donc, dans l'idée...
D'accord. Dans l'idée, bon, ça va se jouer Clément ce soir, Carpentier quoi. De France Bleu Gironde. Ouais. Mais ça veut dire qu'ils ont cherché son successeur et qu'ils l'ont trouvé récemment. Oui. Mais oui. Bon, ça veut dire qu'ils ont trouvé son successeur avant de le mettre à pied. Oui, bah ouais, oui, clairement. Ça. Et ils attendaient quoi? De voir le résultat qu'on allait faire contre Laval, c'est ça? Non, ils attendaient juste la trêve hivernale. Ils voulaient pas, ouais, je pense, lancer le mec au bouillon. Pourquoi tu perds 3 points? Ça, je comprends pas pourquoi t'attends. Surtout si t'attends le successeur déjà en place, pourquoi t'attends? Tu sais que ça marche pas. Tu perds 3 points encore ce soir. Tu ouais, peux clair. Pas attendre, il faut ce fameux choc psychologique, mais là tu l'as pas. Parce mais que on n'a jamais été dans l'instant on est réaction. Tout... Oui, voilà, on est toujours à contre-temps. Quoi. C'est ça, ouais. c'est vraiment. De toute façon, c'est une vente qui s'est faite tardivement en 2020. C'est tout le temps à contre-temps. Tout le temps, c'est ce que je te dis, c'est au-dessus. En fait, le mal, il est au-dessus et il n'y a pas un mec qui prend les décisions au bon moment. Est-ce que ça vient de l'éloignement du président qui n'est pas là quotidiennement dans le club? Enfin, je n'ai pas besoin. Ce contre-temps? Mais je sais pas, c'est une question. Je sais pas s'il y a besoin d'avoir un président constamment sur les côtes des joueurs, mais un président qui est là dans les moments où ça va pas et qui communique en fait. Un président qui est là tous les jours, qui gère le quotidien, il sait prendre les décisions au moment opportun parce qu'il, je sais pas, il doit sentir le pouls. Quand tu es tous les jours au château du Haillan, à un moment donné, il a plus de secret pour toi. Est-ce que c'est ça qui expliquerait qu'on soit à contre? Mais pourquoi on est à contre? Oui, voilà, il est pas là. Mais justement, est-ce que c'est parce qu'il y a pas de président quotidiennement Girondins de Bordeaux pour administrer ce club qu'on prend toujours les décisions en retard? Bah, est-ce que c'est pour ça? C'est ce que je te dis. C'est la décision de mettre un président délégué, elle n'a jamais été mise en place. Tu es un mec qui n'est pas là parce qu'il doit avoir un agenda ministériel et que le club, il est en roue libre, il doit se gérer sur Admar Lopez et David Guillon. Et on sait tous très bien qui prend le dessus sur l'autre. Donc, et il y en a un qu'on ne voit jamais. On a un directeur sportif au Girondins de Bordeaux, il ne fait aucune conférence de presse, il n'est jamais là pour dire quoi que ce soit, et c'est le mec, il est là que pour les mercatos et c'est terminé. Ouais. Lui, il est là, mais il est transparent. Mais on l'a refait, Nico? De quoi? C'est zéro? Non. Non, mais c'est zéro. C'est zéro. Et ce soir, tu vois, parce que jeudi, on aurait pu dire « Ah, il est encore en train d'ouvrir sa gueule, celui-ci, etc. » Mais ce soir, avec David Guillon qui est viré juste après le match de Laval, c'est-à-dire que 2-1, pour mettre à pied ton entraîneur 10 minutes après un match, c'est qu'encore une fois, on avait raison. David Guillon était déjà dehors depuis une semaine. Voilà. Ça veut dire qu'ils avaient déjà tout prévu. Parce que pour envoyer le communiqué, parce qu'il y a info et communiqué. Pour envoyer le communiqué, ça veut dire que le départ, limite, il est sorti du stade, elle lui a filé son chèque. Et elle dit, tiens, tu passes pas par la cantate, tiens, regarde, le carton de charge, ça dans la bagnole, allez, merci, Reims, c'est à 8h30 de bagnole. C'est limite si ça s'est pas passé comme ça. Donc, encore une fois, zéro. On a mal géré ça, et tu viens de le dire, Nico, classe. Tout est fait à contre-temps, tout est fait, dès qu'il y a une bonne chose qui est faite, elle est survendue, il y a une fierté mal placée, on vient faire n'importe quoi dans les médias avec des discours et une communication mal intentionnée. Quand il faut gérer le club au quotidien, il n'y a personne. Moi, je le dis ce soir, David Guillon est parti, tant mieux. Mais maintenant, il faut un président au Girondins de Bordeaux. Et ça, j'espère que tout le monde va lancer ce mouvement. Il faut, Gérard Lopez est l'actionnaire, on ne lui demande pas de partir. Personne ne lui demande de partir. On lui demande juste, comme il ne peut pas assurer ce poste, de mettre un président ou un président délégué ou un manager général. Il l'appelle comme il veut. J'en ai rien à faire. On veut quelqu'un qui gère le club. On veut quelqu'un qui gère le club. Ce n'est pas Admar Lopez. Ce n'est pas l'entraîneur de le faire. Ça doit être quelqu'un qui doit gérer le club. Gérard Lopez ne le fait pas parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il n'a pas l'envie. Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Mais il faut un président pour gérer les Girondins de Bordeaux. Marc Planus, Johan Micou, qui vous voulez. J'en ai rien à faire. Il faut un président aux Girondins de Bordeaux. Il faut un mec qui soit là tous les jours, qui fixe un cap, qui tape sur la tête de Admar Lopez si ça va pas, qui tape sur la tête de son coach si ça va pas, qui remet la tête à l'endroit aux joueurs quand il a besoin de leur parler. Qui communique, qui absorbe dans les médias la pression. Qui soit là aux entraînements une ou deux fois par semaine, comme, je vais envie de vous dire, comme l'a fait Jean-Louis Triaud, comme l'a fait Stéphane Martin, comme l'ont fait tous les présidents qui ont marché en Ligue 1. Il faut un homme fort à la tête des Girondins de Bordeaux et on ne l'a pas. Donc, aujourd'hui, merci Guillon. Merci pour rien d'ailleurs, David Guillon. Bon vent, Guillon, parce qu'on ne lui souhaite pas de mal. Je lui souhaite même de retrouver un club qui sait je ne sais pas où. Mais il faut un président aux Girondins. Ce n'est plus négociable. S'il n'y aura pas de président, il n'y aura pas de montée. C'est plus conditionné qu'au coach aujourd'hui. C'est tout qui doit être repensé.
Et si on continue à attendre jusqu'à décembre pour nommer un président, comme on aura attendu jusqu'à octobre pour virer l'entraîneur, eh bien, on saura qui seront les responsables de tout le mal bordelais depuis 3 ans. King Street, même si on n'est pas du tout en train de les défendre et on a toujours dénoncé cette gestion ignoble et catastrophique du club, aujourd'hui, ils continuent à s'inscrire dans les pas de King Street, Gérard Lopez et Admar Lopez. À eux de voir si à la fin de la saison, ils veulent être mis dans le même panier et être, contrairement à eux, pire, hein, les assassins du club. On verra. Il va loin, là. Vous partagez les propos de Samuel ou ah, je suis vous totalement d'accord avec Sam. D'accord. Ouais. Totalement d'accord avec toi, Sam. Ouais. Bon. Toi aussi, Kevin, tu partages ces propos? Oui, bah, de toute façon, c'est ce que je disais. Hein. C'est clair et net que Guillaume, c'est que la façade. Donc, il faut changer les murs et ce qu'il y a à l'intérieur. Et le problème, c'est que je ne sais pas si aujourd'hui... Pour moi, c'est tellement contradictoire quand t'es un Gérard Lopez que tu viens de remettre 40 millions sur la table, que tu dis, dès le début de la saison, l'année prochaine, Bordeaux restera un club moyen parce qu'on n'a pas le budget. J'ai du mal à comprendre dans la tête d'un investisseur comme lui comment tu peux mettre 40 millions et ne pas vouloir restructurer en interne ton club pour réussir. C'est un truc, ça me dépasse. Humainement, ça me dépasse. J'ai du mal à comprendre le concept de ça. Parce que je ne vais pas taper sur Lopez, c'est l'investisseur, l'actionnaire. Aucun sujet là-dessus, il nous a sauvé maintes reprises. C'est même pas le problème en fait. Moi, ce que je comprends pas, c'est ton pote Admar Lopez, tu vois bien que le mec, il est pas bon dans ce qu'il fait, c'est pas grave. C'est pas grave en fait de dire que ton pote il est pas bon, mais change-le en fait. Je comprends pas ce concept de mettre d'un côté 40 millions et de l'autre côté ne pas faire en sorte que la gestion interne soit saine et que tu puisses avoir un club qui fonctionne. Parce qu'en fait, c'est lui qui va perdre de l'argent au final. Ou par des tours de passe-passe, peut-être qu'il va s'en sortir, je sais pas, il s'en est peut-être déjà sorti. Mais c'est vrai que c'est lunaire. En tant que supporter moyen et avec pas les tenants, les aboutissants de la gestion d'un club, j'avoue que. C'est un truc, ça me dépasse. Mais peut-être qu'un jour je comprendrai. Mais là, j'avoue que non. Mais peut-être qu'ils l'ont restructuré comme eux souhaitaient qu'il soit restructuré, le club, tu vois. Donc bon, on va pas rentrer dans. Mais c'est vrai que en ce qui concerne le sportif, ça va être très intéressant de voir quels vont être les choix qui vont être faits dans le nouveau staff, sa constitution et après les choix de jeu. Alors pour nous, les observateurs, c'est vrai qu'on n'a plus l'intérêt du classement pour l'instant. On va avoir l'intérêt de regarder ce qui va être fait dans la constitution du staff, voir les résultats pour s'éloigner de la zone rouge et voir quel jeu va être mis en place et quel projet. Est-ce que ça va être la continuité de ce qui a été fait, à savoir faire un jeu attractif, je ne sais pas. Bon, ça demande beaucoup de... ça va demander beaucoup d'observations et moi, j'ai beaucoup de curiosité à voir ce qui va être fait. En tout cas. Bon, messieurs, 18h04. Bon, on n'a pas beaucoup parlé de jeu, mais bon. Bon, on va dire beaucoup plus. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux analyser maintenant? Un copier-coller. J'ai reçu les stats de Data Girondin. J'ai reçu les stats avancées que je vais publier sur Web Girondin. Vous irez voir, c'est intéressant. C'est accessible aux abonnés sociaux. Et si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir. Petit coup de pub. Mais Nico, qu'est-ce que tu veux parler de jeu aujourd'hui alors que l'entraîneur part? On a eu raison. De non, mais je suis d'accord. Mais ce n'était pas une critique, c'était un constat. Non, mais j'ai bien compris. Mais dans le sens, effectivement, ça n'a. Et c'est pour ça que je pense que ce sera aussi le top de lundi. On entre dans le sas là. Nouvelle phase. On peut juste se dire que la conférence d'après-match de Guillaume, elle est lunaire quand tu sais que tu pars ou pas. Juste, on peut refaire un focus là-dessus ou pas. Oui, le mec s'en va et nous sort une conférence de presse lunaire. C'est quand même l'exemple de tout ça, Kevin, en fait. Il y sera allé jusqu'au bout et encore une fois, il a tellement été abandonné dans cette période que moi, je vais continuer à critiquer quand on parlera de Guillaume. Tout ce que j'ai vu sur le terrain, mais sur tout le reste, même s'il y a des moments, où, notamment après Valenciennes, où sa réaction m'a fait bondir, je vais franchement laisser tranquille, même si je n'ai jamais insulté ni rien, mais je vais laisser tranquille l'humain parce que, encore une fois, ce n'est pas humain, justement, de devoir assumer la pression de 4 personnes quand tu es censé être inférieur, justement, à ces personnes. Oui, bien sûr. Donc, encore une fois. Mais tu peux dire que tu as fait un mauvais match, que tu n'as pas été à la hauteur. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que s'il dit ça, en fait, il se fragilise en fait, et comme il est même pas sûr d'être assuré là-haut, tu vois, c'est pour ça que je te dis franchement, sa communication pour moi à la fin en fait, elle voulait plus rien dire. Même moi, les 2 conférences que j'ai fait, je suis content d'avoir posé mes questions parce que je me dis au moins j'ai pu lui poser les questions, mais les réponses, elles étaient là pour nous dire, les gars, de toute façon, je sais, je suis mort et il y aura personne pour l'assumer. Donc moi, je vais aller jusqu'au bout
je vais continuer à vous expliquer que j'y crois en mes idées. C'est tout à son honneur, même si, encore une fois, il aurait pu se remettre en question de 1 et de 2 aussi. Il aurait pu ne pas accepter la situation et dire je démissionne, puisque j'ai ras le bol de bosser avec des mecs qui m'envoient à chaque fois au feu. Mais pour le coup, jusqu'au bout, lui, il est resté dans sa ligne de conduite. Et face à nous, il est venu. Il y en a qui ne viennent pas. Oui, bon, on aura certes. Alors, est-ce qu'on aura une prise de parole du club à l'exception de ce communiqué laconique? Je pense que demain, peut-être ce soir ou demain dans l'équipe ou Sud-Ouest ou peut-être France Bleu, on devra avoir quelque chose. On n'a pas eu sur Bein, hein, par contre. On n'a pas eu Bein, hein. En direct, on n'a pas eu le président qui était en tribune. Bein, ils sont pro. Enfin, je salue tous mes amis que j'ai à Bein, mais. Bein, quand même, ils sont très complaisants avec Guillon depuis le début de la saison à nous expliquer que les supporters bordelais sont des casse-pieds à critiquer Guillon. Oh, moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas l'endroit. Ouais, ils ont posé quelques questions. Moi, je trouve pas. Après, oui, Bobby Mal, mais Clément Gray, je les adore. Pourtant, ils sont excellents. Mais moi, c'est le fan club de David Guillon, hein, les gars. C'est vrai. Ouais, oh non, t'exagères, je trouve pas. Ouais, c'est vrai qu'il tape jamais sur les... Il tape jamais sur les entraîneurs, quel que soit l'entraîneur. Quel que soit l'entraîneur, c'est ça, Maxime. Mais après, en avant-match, ça pose des questions un peu, tu vois, ça a posé des questions à Nsimba et compagnie, donc ça va être dans le plat. Bon, les amis, sur Web Girondin, alors ça va faire beaucoup d'actualité et c'est pas plus mal pendant cette trêve. Vous savez que Web Girondin... Ouais, du chiffre, oui, non. Écoute, vous savez que sur Web Girondin, c'est un site internet, c'est une web TV, et on peut être présent comme ça continuellement avec énormément de vidéos et d'articles grâce à la publicité, mais aussi grâce à vous, grâce à votre soutien. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est dépendre des lecteurs et pas de la publicité. C'est pour soi qu'on vous propose aujourd'hui de nous soutenir en devenant sociaux, et on vous propose de découvrir ça, parce que c'est l'accès au contenu exclusif. Il y a des interviews qui arrivent, des trucs sympas. Hein. Vous avez eu Courbis la semaine dernière, il y a des stats que vous avez nulle part ailleurs. Vous avez l'accès Discord, on vous supprime la pub sur le site internet, site mobile, pas les applis, hein, site mobile et sur votre ordinateur, vous n'avez plus de pub, donc vous avez quand même une meilleure lisibilité de tout le contenu. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Voilà. Messieurs, je remercie Maxime. Il est quelle heure en Martinique, Maxime ? Ouais, t'es heureux, toi. Ah mince, ton micro est fermé. Il est midi 8 exactement. Bon, tu vas pouvoir passer à table. Ouais, j'ai passé à table, manger tranquillement. J'ai passé une après-midi morose, cause encore des gens. Bon, même s'il fait beau ici. Hein. Fais attention à l'apéro quand même, te noie pas. Ouais. Non, mais il y a FIFA qui vient de sortir. Enfin, il y a le nouveau FIFA, donc faites des carrières et jouez en Ligue 1 avec Bordeaux. Ça vous, ouais. Ça vous rappellera les... FC24, Sam, c'est plus FIFA maintenant. Ouais, ouais. Je suis en... Kevin, j'approche la trentaine, je suis un mec old school, moi, maintenant. Et bon, bah, écoute, cool. On salue tous ceux qui nous regardent depuis Guadeloupe, Martinique, depuis les Antilles, et même tous ceux qui nous regardent depuis les Guyane aussi. La Réunion. Voilà, tous ceux, il y en a à Mayotte aussi, il y en a énormément. Et tous ceux qui nous regardent depuis Bordeaux aussi, et qui rentrent du stade et qui sont dépités, on est ensemble. Une porte qui a claqué. Ah, c'est madame, elle n'est pas contente. Elle se dit, bon, c'est pas fini. C'est exactement ça. Non. Allez, c'est normal. Merci à toi, Kevin. On te retrouve sur les réseaux. Tu es très actif sur TikTok. Exactement. Allez le voir. Voilà. Et Samuel, Club des 5. Hein. Pareil. Et sur avec Twitter. David Guzman demain soir. Oh. Ouh. Monsieur Guzman. Donc, ça va parler... Finance, propriété. Non, non, même pas. Ça va parler de l'autre amour de David Guzman après les Girondins, Arsenal City. Exactement. Voilà. Il est partout. Hein. Il écrit dans la revue de l'After. Il y a GG qui a raté des épisodes. Il remplace Guillon dans 3 jours. Hein. C'est David Guzman qui a été nommé. Ouais. En plus, c'est les mêmes initiales. Ils n'ont pas à changer les uniformes, les maillots d'entraînement. C'est très bien. Quoi. Allez, salut à toutes et tous, on se quitte avec générique des sociaux et on se redit à lundi pour le talk. Au revoir. Et merci Nico, à bientôt. Ciao, allez, au revoir. Merci ciao. Ciao à tout le monde. Les gars. Ciao. Bon samedi à tous. Ciao. They used to stick around, definitely not for too long.
but boy, you got me hooked and made me wanna write this song. Got all guys already scared, but I'm aware that you're special. So let me take us somewhere where we could be alone. When I look at you, I see a pretty picture. You're the sun, I'm the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower, I'll teach you how to open up real nice, baby.